Good morning, allez, Daniel, ce sera aujourd'hui le Nishmat, Rava Mandechai, Ben Israël, Pefani et Dvora Bat Esther. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions la Sechet Yvamot, Perek He, Mishnah Bet. Keitzad, Asama Amar Bivimto, Venatana Naget, Tzricha Emenu Chalitza. Asama Amar Vachalitza, Tzricha Emenu Get. Asama Amar ou Baal, Areizo Ke Mitzvata. Mishnah, très simple pour le moment, mais qui entre en fait dans le cadre d'un pérec relativement compliqué, qu'on a déjà ouvert hier avec les principes généraux. Alors, je vais vous expliquer deux choses. L'idée générale qui va y avoir d'abord dans cette Mishnah, dans la prochaine Mishnayot, et puis surtout la structure de la Mishnah jusqu'à qu'on va arriver aux situations plus compliquées. Soit, selon la Torah, une Yevama, lorsqu'on a une Yevama qui tombe devant quelqu'un, veut faire le hiboum, son mari est décédé sans enfant, alors cette femme-là, elle doit être prise par un de ses frères, et selon la Torah, il doit le faire soit le hiboum, soit la chalitza. Hiboum, c'est qu'il va se marier avec elle, il va s'unir avec elle, en s'isolant, sans donner des kiddushin avant, et chalitza, c'est qu'il va faire le fameux rituel de qu'elle va lui retirer la chaussure, elle va cracher dessus, et ainsi de suite, comme on l'apprendra longuement plus tard. D'accord? C'est la chalitza. Hiboum et chalitza. Chachamim sont venus et ont instauré un système un peu plus complexe, en fait, où, puisque cette femme-là, pendant qu'elle est en instance de faire la mise à deux hiboum ou chalitza, elle est considérée comme un petit peu à moitié mariée avec les frères, eh bien on va pouvoir lui donner des kiddushin et la rapprocher encore plus, ou lui donner un guet pour l'éloigner encore plus. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, quand on a une femme qui est en matzav, en situation de zkouka le hiboum, elle attend qu'on lui fasse le hiboum, en attente de son hiboum, eh bien, soit je lui fais le hiboum, je me marie avec elle, ça devient ma femme à 100%, soit je lui fais la khalitza, je l'éloigne complètement, mais j'ai aussi la possibilité de lui donner les kiddushin, de comme une femme avec qui on va donner l'alliance, on va lui donner des kiddushin, et là, ça ne va pas être ma femme selon la Torah, même pas Midera Banane, mais on va déjà la considérer un peu plus comme ma femme. On va dire qu'elle était à moitié ma femme, elle est devenue aux trois quarts ma femme. Et inversement, au lieu de faire la khalitza, je lui ai déjà donné un guet. D'accord? Comme on pourrait donner un guet à sa femme, il a donné un guet que je ne veux pas marier avec toi. Alors la femme, elle n'a toujours pas le droit d'aller se marier cette fois-ci, là, cette Yevama. Parce que la Yevama, selon la Torah, on la libère qu'avec la khalitza. Mais malgré tout, Chachamim ont donné une certaine importance au guet. Que maintenant tu l'as éloigné à moitié, que tu ne pourras plus en l'occurrence le refaire le hiboum, c'est trop tard. Tu l'as déjà sorti à moitié, tu ne pourras plus le faire le hiboum si tu veux. Et donc du coup on a quatre actions. Hiboum et chalitza, et en plus kidushay ma'amar, ce qu'on appelle le ma'amar, les kidushin qu'on donne à la femme, et le get, les ma'amar, le get qu'on donne à la femme qui est en instance qui est en attente de sa chalitza. D'accord? Donc ça fait en fait Yiboum, Mahamar, Get, Khalitza. Le but de la Mishnah essentiel de précédent, ça va être maintenant l'interférence quand il va y avoir plusieurs frères et plusieurs femmes, lorsqu'on va donner un Get et après une Khalitza, ou une Khalitza après un Get, un Mahamar, Get, Mechoulé, et ainsi de suite. D'accord? Et la Mishnah, elle est gentille avec nous, qu'elle va commencer à structurer, à poser sa lachot admise d'abord, doucement, jusqu'à nous faire arriver aux situations plus compliquées. On va commencer à prendre un cas de un Yavam avec une Yevama. Lorsqu'il va aller faire le Mahamar, quelle action qu'il fera ensuite? Qu'est-ce qu'elle fera exactement? Comment il faudra continuer? Après, lorsqu'elle va lui donner le guet à ce Mahamar, à cette femme-là, ce sera la prochaine Mishnah. Après, une fois qu'on aura compris avec un Yavam et une Yevama, on va compliquer la sauce avec à présent deux Yevamot et un seul frère. Après, on va arriver à deux frères et deux Yevamot. Et après, ça va devenir plus délicat. D'accord? Vous avez compris la structure qu'il va y avoir? Donc, retournez les quatre actions. On va prendre Mahamar et Yiboum, et Get et Khalitza. Et à chaque fois, on va s'intéresser. Une fois qu'on a donné le Mahamar, qu'est-ce qui se passe? Qu'on va faire le Yiboum? Qu'est-ce qui se passe si finalement on veut lui donner un Get? Qu'est-ce qui se passe si on veut faire le Khalitza? Comment cette femme, elle va être permise, pour se marier avec un étranger ou pas? Et on commence. Ketzad, comment se présente le cas? C'est-à-dire, comment se présente le cas, pas encore de la marque qu'on a vu précédemment, mais que le Mahamar fait quelque chose. Asa Mahamar Beyevimto. Premièrement, il a fait le Mahamar à la Yevama. Donc,
Là, on retenait bien. C'est moi qui ai quantifié avec ce moitié et trois quarts, parce que ça aide à comprendre un peu mieux. C'est un petit peu manqué dans le bâtonnement précédent. Ika pas le gaz, Ika, une moitié de Zika. Alors du coup, moi, j'ai rajouté moitié de Zika, trois quarts de Zika, un peu moins de Zika. Zika, ça s'est mis qu'elle est en attente qu'on lui fasse. Elle attend, ouais, il se kouka les hiboum. Elle a besoin qu'on lui fasse le hiboum pour pouvoir continuer sa vie. Ou Khalitsa. Donc, Ketsad, comment se présente le cas du Mahamar qui fonctionne, qui fait quelque chose? À sa Mahamar, il a fait les Kiddushei Mahamar, il a donné les Kiddushei à ses Mahamar. Alors maintenant, à partir de ce point-là, Venatan Aget, si après il lui a donné un guet, finalement, il a voulu se marier avec elle, il n'a pas encore fait le hiboum, il lui a juste donné le Mahamar, après il dit non, finalement, je ne veux pas marier avec toi, mais il lui a donné un guet. Alors, cette femme-là, Tzricha, Hemenu, Khalitsa, il faudra continuer à lui faire la Khalitsa, parce que pour le moment, lorsque tu as donné les Kiddushin, tu l'as un peu plus rapproché. Lorsque tu lui as donné le guet, tu l'as éloigné le petit plus que tu as rajouté. Mais elle reste pour le moment que pour être permise à se marier avec quelqu'un d'autre, il faudra lui faire nécessairement la Khalitsa. Ok? Maintenant, Asa Mahamar ve Khalitsa. Après, on va dire un cas pas comme ça. Il a commencé à donner des Kiddushei Mahamar. Donc retenez, regardez là. Elle était à moitié. Et lui rajoutant encore un petit quart supplémentaire, elle a trois quarts. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la Khalitsa. Asa Mahamar va Khalitsa. Il a donné les Kiddushei Mahamar, après il a donné, il a fait la Khalitsa. Finalement, il n'a pas voulu se marier avec elle, il a fait la Khalitsa. La Mishnah enseigne Tzricha Emenu Get. Il faudra malgré tout lui donner un get, étant donné que lorsque tu as fait les Mahamar, tu l'as un peu plus rapproché, alors quelque part là, la Khalitsa va marcher pour annuler le fait qu'elle était en situation de Yiboum, mais l'ajout que tu as fait en lui rajoutant les Kiddushin, ça la Khalitsa ne va pas le permettre, il faudra lui donner en plus de ça un deuxième get. Asa Mahamar ou Baal, maintenant la Mishnah m'enseigne, si toutefois il a fait le Mahamar et puis après Baal, il s'est uni avec elle, ouais, il s'est uni avec elle, alors là, Arezo ke Mitzvata, c'est la Mitzvah parfaite, après c'est devenu sa femme à part entière, s'il voudra la libérer, il faudra lui donner juste un guet parce que Zeh a Mitzvah. Une petite insistance sur le Arezo ke Mitzvata, telle est la Mitzvah qu'il faut faire, le Bartanura nous rapporte, parce que Chachamim m'ont instauré, que pour pouvoir se marier avec la Yevama, on va pas la prendre directement, on va partir s'enfermer dans une chambre. C'est pas digne. Il faut d'abord donner une allure de Kiddushin. Et donc ce qu'on va lui faire, c'est que d'abord on va lui faire les Kiddushei Mahamar, et seulement après ils vont aller s'isoler pour donner, d'accord? Pour ne pas prendre une femme et on s'unit directement avec elle. Pire que ça, vous savez que on apprendra qu'en apprenant le Kiddushin, on peut se marier en théorie avec une femme, soit en lui donnant une bague, soit en lui donnant un shtar, ou soit même en allant s'unir avec elle. Il faut des témoins qui nous voyaient rentrer dans la chambre, et ça suffit pour dire que maintenant, dès qu'on ressort, on est marié. Malgré tout, la Gemara enseigne que Rav, il frappait celui qui osait marier une femme comme ça, parce que c'est pas digne, ça fait un peu trop. D'accord? Trop frivole. Ok? Donc pour en revenir maintenant, pour conclure notre Mishnah, vous avez bien compris le principe. On va s'intéresser dans notre chapitre à savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait les Mahamar, qu'est-ce que ça, le schéma Mahamar, qu'est-ce que ça implique, et lorsqu'on va faire donner le get à la Yevama avant qu'on lui fasse le hiboum, qu'est-ce que ça va impliquer, et on va commencer d'abord avec un frère et une Yevama, après ce sera Mishnah Bet et Gimel, après dans Mishnah Delet on va commencer avec un frère et deux Yevamot, et après on parlera de deux frères et deux Yevamot, et là ça deviendra un petit peu plus compliqué, mais Bezrat Hashem pour le moment. Je vous souhaite une bonne journée et kol tuv sela.